Eh bien, salut, salut tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Qui veut gagner des millions sur Minecraft. Ravi de vous retrouver aujourd'hui en espérant que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une émission un petit peu particulière auquel on va tous assister, puisque ce n'est pas un, mais deux candidats qui vont venir jouer aujourd'hui et tenter ensemble de gravir la pyramide des gains, pour pourquoi pas tenter de remporter, comme vous le savez, le fameux million d'euros. Les deux candidats en question vont donc jouer cette fois ensemble. Ils avaient déjà joué chacun de leur côté en solo. L'un était reparti pour la deuxième fois de son côté avec le million d'euros, tandis que l'autre avait eu un parcours un peu moins heureux. On va voir si à eux deux, ils vont pouvoir unir leurs forces et peut-être, pourquoi pas, aller jusqu'au bout. Ce que je vous propose, c'est qu'on les accueille tout de suite. Il s'agit de Lit et de Joe. Salut. Bonjour. Bonsoir. Bijour, bijour. Eh bien, je vous en prie, installez-vous. Merci. Merci. Allez. Voilà. Eh oui, tout est prêt. Hein. Même en duo, vous avez chacun votre siège. Le budget est présent. Bon, bien, bien, bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Très content de vous accueillir une nouvelle fois sur ce plateau. Merci à toi pour ton invitation. Il n'y a pas de problème, hein, c'est moi qui régale. Bon, évidemment, vous, Lit et Joe, on vous connaît très bien. Lit, évidemment, on ne te présente plus. Ce n'est pas ta première fois ici. Tu es juste simplement double vainqueur du million à ce jeu. Ouais. Donc, bon, voilà, autant dire que ça va, t'es plutôt à l'aise en ce qui concerne ce jeu. On verra si aujourd'hui tu seras tout aussi brillant. J'espère en tout cas. J'espère aussi. Eh bah oui, mais évidemment, bien sûr, tu n'es pas tout seul, tu seras accompagné de Joe, qui est également présent pour la deuxième fois. Bah oui. Donc, comme je l'avais dit, bah évidemment, toi tu étais déjà venu une première fois. Malheureusement, il y a eu un petit accident de parcours lors de ta première partie en solo, ouais, si on peut dire. Questionnaire de merde. Complètement. C'était malheureusement la petite question piège qui n'est pas passée. Malheureusement, on s'était très très vite quitté cette fois-là. Je pense qu'en vrai, tout le monde serait planté sur cette question. Ouais. Ah, bah malheureusement, il peut y avoir des questions un peu moins. Ça serait planté. C'est comme ça, malheureusement, je n'y peux rien. La vie, bref, c'est la vie, exactement. Dans tous les cas, aujourd'hui, vous allez donc bien sûr jouer à deux pour tenter de remporter le million. Aucune règle ne change par rapport à une partie solo, hein, juste à part que vous êtes deux, donc vous pourrez prendre le temps bien sûr de réfléchir à vous deux sur chacune des questions, donc ça peut être évidemment très avantageux. Ouais. Dans tous les cas, les règles sont les mêmes et restent les mêmes. Vous allez donc devoir bien sûr gravir la pyramide des gains constituée de 15 questions pour aller jusqu'au million d'euros. Au cours de votre périple, au cas où vous feriez une mauvaise réponse et une seule mauvaise réponse, et ben ce sera terminé et vous retomberez bien sûr au palier précédemment franchi. Les deux paliers qui sont, on va dire, dans cette pyramide, il s'agit des questions 5 et 10 à 1500 et 48 000 euros. Évidemment, dès qu'un palier est franchi, vous êtes sûr de repartir avec au moins la somme que vaut ce palier. Et enfin, vous avez toujours bien sûr 3 jokers à votre disposition que vous utiliserez bien sûr en vous mettant d'accord et bien sûr à bon escient. Les 3 jokers étant le 50-50, la seconde chance et le switch. Comme d'hab. Allez. Comme d'habitude, exactement. Évidemment, vous n'avez pas de temps limite pour répondre aux questions. Vous pourrez à chaque fois prendre votre temps pour y répondre. Donc vous n'êtes pas pressé par le temps. C'est l'avantage dans ce jeu. Mmh. Et puis je pense un peu avoir tout dit. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? On y va. Eh bien écoutez, j'espère qu'à vous deux, vous réaliserez une très bonne partie, c'est ce que je vous souhaite. Et mes amis, nous allons donc jouer avec Lit et avec Joe à Qui veut gagner des millions. Eh bien c'est parti, on est dans le bain, hein, maintenant, concentration. Et voici, voici donc la première question à 200 euros. Hop. Bien sûr, vous vous démerdez pour qui prend le livre à chaque fois. D'accord. Qu'installe-t-on sur un bâtiment pour le protéger de la foudre? Un parapluie? Un paravent? Un paratonnerre? Ou un parasol? Bah, je suis sans dire, c'est la première question, je laisse l'honneur à lui. Tu veux que je... Ah, tu veux que je réponde là-bas? Sur toi, refuse-moi, putain, refuse-moi le bouquin dans ce cas-là. Bah, c'est toi qui as le bouquin, non? Non, non, je te l'ai filé. Ah. Je crois que c'était je crois que c'était le paratonnerre là, que j'ai vu là, en réponse. Bah oui. Ouais, c'est ça. Parapluie, paravent. Mais bah oui, c'est le paratonnerre. Mais d'accord, Alitain. Paratonnerre. Ah ouais, c'est bien ça, ouais. Vous partirez donc plus sur le paratonnerre? Ah oui. Allez. Eh bah écoutez, c'est une première bonne réponse.
Voilà, qui vous fait donc 200 euros, c'est bien, c'est bien. 100 euros chacun, c'est génial. Voilà. Et bah évidemment, on espère que vous pourrez encore avoir plus. Ah bah oui. Deuxième question pour 300 euros, la voici. Au passage, les livres, vous pouvez soit les garder, soit les supprimer, hein, vous faites ce que vous en voulez. Yes. À la piscine, la personne qui enseigne la natation est un baigneur, un maître chanteur, un maître nageur ou un homme grenouille? L'homme grenouille est quand même assez rigolo. Tu réponds ou je réponds? Vas-y, réponds. Vas-y, pour l'instant, on va essayer de faire... Un maître nageur, mon cher Drake. Un maître nageur, donc, ouais. Ouais, bah oui. Eh bah, c'est une bonne réponse. Un maître nageur, ben oui, bien sûr. Par contre, le maître grenouille, franchement, il faut le trouver celui-là. Maître grenouille. Ah, ouais. Ah, c'était technique, hein. C'est pas sûr que vous l'ayez. Allez, troisième question pour 500 euros cette fois. Okay. Pour la science, lequel de ces animaux est le plus proche de l'homme? Est-ce qu'il s'agit du mouton, du chimpanzé, du tigre ou du perroquet? Le mouton. Mais déjà, quand il dit la question, il dit, c'est bon, c'est une connerie. Il s'agit de la réponse B, le chimpanzé, bien sûr. Le chimpanzé, selon vous, et bah écoutez, c'est une bonne réponse. Le mouton, le berger, mouton. Peut-être pour le mouton, pour le berger. C'est vrai que le mouton aurait été un peu space, mais bon, hein, après. Voilà, mais voilà. Pour les bergers, oui, c'est le mouton. Allez, on enchaîne. Quatrième question pour 800 euros cette fois. Dans quel sport peut-on assister à des épreuves sur route et sur piste? Est-ce qu'il s'agit du cyclisme, du water polo, du golf ou du judo? Easy, c'est easy ça. Ah, c'est répondre pour le moment que c'est pour la question. Ouais. Pas de soucis. Le cyclisme. Le cyclisme, pas de suspense, bonne réponse. Pas de suspense, voilà. Pas de quoi traîner. Non. On avance tranquillement, tout se passe bien. On est encore à une bonne question, une bonne réponse plutôt du premier palier à 1500 euros. Et bah voici la question. L'art martial japonais basé sur des mouvements de rotation et d'esquive est le gymkhana, le yoga, le kamasutra ou l'aïkido? Oh non, Drake! Ah oui, ça c'est posé les bonnes réponses. Hein. Wow. Le kamasutra, mon dieu. Le yoga, non. Pas le yoga non plus, non. Non mais attends. Le gymkhana, ça existe ce truc ça? Ah bah je ne sais pas moi. Je file le bouquin. Ouais. Oh putain, mais non, sérieusement. Le gymkhana, le yoga, le kamasutra ou l'aïkido? Oh, le kamasutra, le yoga, on fout la poubelle, c'est pas ça du tout. Ouais. Déjà. Mais moi je pense que l'aïkido, mais. Putain. Nous sommes à la question à 1500 euros, je le rappelle. Ouais, bah. Attends, c'est même pas ça. Attends, t'avais le livre, les gens ou... Oui, j'ai filé le bouquin. Ah, ok. Elle va être longue cette émission, hein, je vous le dis. Attends, le Vikan. Ah non, mais moi, le pire, c'est que l'aïkido, ça me dit vraiment quelque chose en fait. Bah ouais, mais moi, j'ai pas envie de me tromper déjà. Cinquième question, ça c'est un peu con, quoi. Bah oui. Attends. Le yoga, c'est sûr que c'est pas ça. C'est pas une rotation et esquive. Je crois pas. Mm. Là, on peut. On peut l'enlever. Bon, moi, j'ai mis l'aïkido. Ouais, j'ai mis l'aïkido. L'aïkido? Ouais, j'ai mis l'aïkido. Oui. T'es sûr? Ouais, parce que le gymkhana, ça me dit rien du tout. Ça, pour une question 1500, gymkhana, ça me dit rien du tout en art martial japonais. Mais franchement, vraiment, ça me dit rien du tout. Je pense qu'au stade du jeu où on en est, vaut mieux peut-être pas trop vous prendre la tête, en effet. Oui, l'aïkido. Ouais, bah vas-y. Après, ouais, je pense avec ça, hein, l'aïkido. Hein. T'as vu ça, les gens? Oui, parce que le gymkhana, ça me dit absolument rien. Je pense que c'est une question easy. Allez. Okay, on part sur aïkido, ouais. Oui, aïkido. Réponse D, Jean-Pierre.
Mais, mais bien évidemment que c'est l'aïkido, enfin. Ah voilà, faut pas se prendre la tête aussi, putain. Et bah voilà qui vous fait 1500€. 1500€, yes. Eh bah voilà, bon. Il y aura eu un instant de réflexion sur cette question à 1500, mais non, ouais, non. Putain, du Gymkhana de cul, là. C'est cette merde. Gymkhana, pour vous dire, ça n'a rien à voir, c'est de l'automobile. Ok. Et ils mettent gym dedans, mais bien sûr. Donc évidemment, c'était l'aïkido. Bah oui, l'aïkido. Enfin, ça bon. Fait plus japonais, hein, parce que Gymkhana... Ouais. Bah là, oui. Dedans, donc, je pense qu'il fallait juste se concentrer sur la prononciation. Voilà, aïkido, ça fait plus jap. Voilà, c'était voilà. Évident. Bah non, c'est voilà. Oui, oui, bon, de toute façon, tout va bien. Hein. Vous avez toujours vos trois jokers. On aura pris un peu de temps, certes, sur ce premier tiers. Mais maintenant, il va falloir d'autant plus être concentré. Parce allez, que là, on va commencer à aller sur des choses un petit peu plus tordues au fur et à mesure. Après, tout dépend des questions sur lesquelles vous allez tomber. Oui. Pour l'instant, 1500. Avec la question suivante, vous allez peut-être doubler cette somme. Passons à... Encore toi, Alice. Ouais, t'inquiète, je me concentre. Passons donc à la question 6, messieurs, pour 3000€. Quel art, pardon, est considéré comme étant le 7e art ? Est-ce le cinéma, la danse, la sculpture, le théâtre ? Donc, je pense, dites que s'agit du cinéma, le 7e art. Je pense à la même chose que toi, j'ai entendu ça, mais j'ai pensé que c'est le cinéma. Mmh. Oui, oui, je pense que c'est le cinéma et... En vrai, sans hésitation, on dit que c'est le 7e art. Donc, Ouais. Donc, je pense en bloc. Oui, oui, le cinéma. En bloc, c'est le cinéma. C'est votre dernier mot ? Non, c'est le dernier mot direct. Dernier mot. Il n'y a pas de suspense là-dessus, je pense. Non. Pour vous, donc, le 7e art, il s'agit donc du cinéma ? Oui. Eh bien, l'art qui est considéré comme étant le 7e art, j'ai envie de dire. Le cinéma. Il s'agit du cinéma. Oui, yes, bien yes. Sûr. Mais bien sûr, voilà qui vous fait 3000€. Mais c'est bien sûr. Il me semble que les autres sont pas dedans, je crois. Il n'y a pas d'art là-dedans, je sais pas. Les trois autres sont considérés comme une autre forme d'art. Bien sûr, c'est pas le 7e, c'est le 7e, c'est dans les premiers, je crois, comme ça. Je sais plus à quel niveau, on va dire, à quel chiffre ils sont considérés, mais si, les autres sont considérés comme d'autres formes de d'art, voilà. Bon. Mais la 7e, c'est donc le cinéma. Et ben voilà qui vous fait 3000€. Pour le moment, tout va bien. Voilà. Je sais pas, tu effectivement, tu es déjà allé plus loin. Voilà, hein. Et avec lui, tout change. C'est ça. Oh le salaud. Avec lui, tout change. Ça va, on taquine. Bon, plus sérieusement, 3000€, vous avez toujours votre 3 jokers. Je vous propose donc qu'on passe à la suite. Question numéro 7, cette fois-ci pour 6000€. Allons-y, sur 6000€. Vas-y, prends le bouquin, Lit. Ok. Le film Jurassic Park a été réalisé par Ridley Scott, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola ou par James Cameron. Bon, on sait, je pense, Lit. Hein. Moi, je l'ai. Tu l'as ? Ouais, je pense, bah, c'est Steven Spielberg, bien sûr. Ah, bah oui. Oui. Il fait tellement de films, il est dans de la mer, il a fait tellement de films. Parce que James Cameron, c'est Avatar. Voilà. Ridley Scott, c'est Alien. Donc, souvenir. Et. Francis Ford Coppola, je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est pas lui. Coppola, c'est le parrain. Ah oui. Du coup, Drake, tu peux nous valider la réponse. C'est la réponse B. Steven Spielberg. De oh oui, bien sûr. C'est donc votre dernier mot ? Oh, c'est le dernier mot. Et ben voilà, messieurs, c'est validé. Voilà, c'est validé. Est-ce que Steven Spielberg est donc le réalisateur de Jurassic Park ? Bah oui. Ah oui, bien sûr. Si il a trouvé du premier coup, il me fait confiance. Parce que ça se trouve, c'est pas lui. Ça se trouve, ce n'est pas lui. C'était quelqu'un d'autre. Ah, c'est James Cameron, ça ne t'a pas fini. James Cameron, c'est celui qui a fait Titanic et Avatar. Jurassic Park, c'est vieux, c'est des années 80. C'est assez vieux, ouais, effectivement, le premier Jurassic Park.
Eh bien, le premier Jurassic Park a été réalisé effectivement par Steven Spielberg. Spielberg, bien sûr. Eh oui. 6000 euros. Pourtant, en cinéma, je suis à chier. Hein. Ouais. Ouais. Et pourtant, pourtant. Ouais, ça ouais, c'est... Bon, bah, Jurassic Park, ça va, ça passe. Ça aurait été sur un autre film plus technique. Bon. Ouais. Eh bon. Bien, pour le moment, tout se passe bien là encore. Nous sommes à, pour l'instant, à 6000 euros. On est quasiment à la moitié du chemin. Encore trois questions avant le deuxième palier à 48 000. Yes. Toujours votre joker en votre possession. Eh bien, allons-y. Tentons encore de doubler vos gains actuels. Question numéro 8 pour 12 000 euros. L'améthyste est une pierre fine, violette, orange, bleue ou verte. Je sais, j'en ai un chez moi. Bah vas-y, vas-y, Joe. Et ce serait donc de quelle couleur ? C'est une roche de couleur violette, tout simplement, l'améthyste. Ah, complètement. Mais en fait, c'est des petits cristaux, en fait, mais de couleur violette. Et j'en ai un à la maison. En général, l'améthyste, tu trouves ça dans, bah, du côté des volcans, parce que c'est de la roche qui se crée à l'intérieur de la roche. C'est des géodes, en gros, je sais pas ce que tu sais que des géodes. Bah, des géodes, en gros, c'est des cristaux qui sortent à l'intérieur de ces caillasses. T'as de l'eau qui se glisse à l'intérieur. Et avec le temps, ça forme des cristaux, et parfois ça peut former des cristaux de magnifiques couleurs. Et la métisse, ça c'est du violet. Ouais, du coup, on voit que vous êtes donc d'accord pour la réponse A, donc. Je fais complètement confiance à Izo. C'est moi, je connaissais pas, mais j'ai appris un truc maintenant, et du coup, c'est cool. L'améthyste, réponse A, est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est notre dernier mot. C'est beau, l'améthyste. C'est beau. Maintenant, on va savoir si, effectivement, c'est violet. Pour l'instant, tout se passe bien, concernant votre parcours. L'améthyste est donc une pierre ayant la particularité d'être de couleur violette, en effet. Au port. Bravo. Bien joué, Joe. Effectivement, c'était bien ça. Et ça vous fait donc 12 000 euros. Merci. GG. Au port. Pour l'instant, c'est un sans faute. Ouais. C'est sans faute. Bon, c'est une garderie de Joker, on les a. Faut pas hésiter à les utiliser, par contre, si on doute. Ah oui. Ouais. T'inquiète. Pour l'instant, ça va. Oui. Tout va très bien pour le moment, j'ai envie de dire. Espérons que ça continue comme ça. Eh bah, on va le savoir très vite, parce qu'on va bien sûr passer à l'avant-dernière question avant le deuxième palier à 48 000. Pour l'instant, vous avez 12 000. Mmh. Avec la question suivante, vous allez peut-être encore doubler vos gains et passer à 24 000 euros. On va voir si avec cette question-là, ça sera là encore dans vos cordes. Voici donc la neuvième question, autant pour moi, pour 24 000 euros. En physique nucléaire, les corps radioactifs émettent des rayons. Theta, oméga, eta ou gamma. Ah, je crois que je sais. Ouais, vas-y, qu'est-ce que tu penserais, toi ? J'aurais une idée, mais je suis pas sûr. Moi, je crois que c'est... J'hésite, mais Omega, je crois que j'ai déjà entendu parler de... Omega, moi, ça me sale. Attends, c'est plus une physique nucléaire, les corps de radioactifs émettent des rayons. Prenez bien le temps de regarder la question, bien sûr. C'est un truc que moi j'ai déjà entendu dire l'oméga, mais est-ce que c'est pour le nucléaire ou pas? Je sais pas, moi... Theta, oméga, eta ou gamma, quel terme est dit pour parler des rayons qui sont émises par les corps réactifs, radioactifs.
premier dé c'est gamma, mais après, je n'ai aucune certitude. Donc je pense que. Là, je... en vrai, je ne sais pas. Mais attends. Vous avez vos jokers, évidemment, qui peuvent servir au cas où. Non, attends, parce que là, à mon avis, c'est tout court, mais il faut se trouver, quoi. Ah bah, de toute façon, c'est que la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de prendre le temps de réfléchir. Ah, c'est pour ça que je vais réfléchir, parce que ça me dit quelque chose, Omega, mais Gamma, ça me fait penser à ce qu'ils n'ont pas pris, un truc comme ça, pour... je sais pas, attends... Après, le Gamma, je sais pas... Après, Gamma, ça serait un peu... Je sais pas, un peu... Peut-être plus spatial, peut-être. Après le gamma c'est un rayon d'énergie de c'est une énergie de forte intensité donc ça peut très bien être ça après. Ouais, mais après en fait, j'ai pensé à gamma mais après je sais vraiment pas du tout, je suis pas physicien. mais le pire c'est que j'ai déjà entendu ça en fait. J'ai bien entendu, mais après, pour... L'énergie pour Omega, ça me dit rien du tout, c'est ça le pire. Ah ouais? Ouais. Omega, c'est tout con, mais Omega, j'ai entendu parler de ça, mais c'est sur l'alimentaire, quoi. Ah ouais. Pour l'instant, vous hésitez plus entre Omega et Gamma, ce que je comprends. Ouais. Theta, je sais pas. Je n'en sais rien, je me dis. Eta, je pense pas que ce soit ça, j'ai jamais entendu parler. Et Theta, ça peut très bien aussi être Theta, hein, je sais pas du tout. Et on peut changer la question. J'ai un doute. J'ai un gros doute et là, je ne sais pas vraiment. Vous avez toujours vos trois jokers qui peuvent servir. Bah après, on peut changer de question parce que si on donne si on fait une deuxième chance, on donne une réponse et c'est pas ça, ou on donne une réponse et c'est pas ça, on se fait bien. Voilà quoi. Après, c'est à vous de vous mettre d'accord sur le joker à utiliser. Et puis, bien sûr, quant à la question qui sera remplaçante, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être une question évidemment. Tout autre, le fois 2, c'est quoi déjà? C'est la seconde chance. En gros, vous pouvez proposer une première réponse, et si elle est fausse, vous pouvez en proposer une deuxième. D'accord. La seconde chance peut être également pas mal après. Ouais, ça 50, peut. 50-50 ça... non. Ça quand vous rien, comme là, vous hésitez entre deux réponses, la seconde chance peut être une option. Ouais, mais après, si c'est pas ça entre la D2 qu'on est en train de choisir, Il va falloir bien faire un choix. Attends. Est-ce qu'on prend pas la question? Je sais pas. Omega, Gamma. Parce que ça va être un rapport avec Tchernobyl. Donc il faut penser à Tchernobyl. Parce que je crois qu'il en parle dans la série Tchernobyl. Ouais, dans la série. Ouais, dans la série, ils en parlent. Mais il faut que je. Comme ça, ça me dit pur. Ça, j'entends de dire. J'entends et. Ah, purée. Tout de suite, la question là, se tromper là-dessus. Je serais d'avis de pas prendre Ouais, parce que. Après, j'en serais peut-être dégoûté si c'est un truc que j'ai hésité. Et puis, Joe partait plus sur Gamma au départ. Après, maintenant, c'est sans certitude. Probablement. Hein. Toi, Oli, tu penses à Omega, mais voilà, pas sûr aussi. Après, Omega, j'ai entendu. Après, Omega, c'est vrai, ça fait penser plus à la bouffe de, pour Omega. Tu sais, le truc de Corona, tout ça. Ouais. Mais après, Gamma, en fait, en réfléchissant bien, ça pourrait être comme ça. Parce que j'ai en train d'hésiter, si c'est pas Gamma, Alpha et puis et Beta. Que ça fait partie du groupe A, en fait. Pour la radio. Et gamma, c'est une énergie de forte intensité, mais est-ce que c'est un radioactif? J'en sais rien du tout. Est-ce que c'est en lien? Est-ce que c'est pas le cas? On peut faire le 50-50 et on verra qu'est-ce qu'on enlève avec le 50-50. On tenterait le 50-50. Hein. Parce que si ça enlève Omega avec Delta ou Eta, et ben c'est sûr c'est gamma.
Ça peut être une option. Donc, si Gamma s'enlève, c'est-à-dire on sait pas du tout et on change de question. Tant pis, on vous fera deux jokers, mais il vaut mieux être prudent. Ouais. Alors, et qu'est-ce que vous faites? On fait 50-50. Ouais, on fait 50-50. Ouais, on fait 50-50. Sûr et certain, donc? Ouais, ouais. 50-50. Bien. Ordinateur, veuillez donc retirer, s'il vous plaît, deux mauvaises réponses à cette question. Qu'est-ce qu'il reste? Et il vous reste les réponses C et D. C'est-à-dire Eta et Gamma. Eta et Gamma. Et ben. Je pense qu'on va partir sur Gamma. On va partir sur Gamma. Parce que Eta. Tu peux relire la question vite fait. Ouais, vas-y, attends, je te repasse. Donc, déjà, Omega n'est plus là. De même pour Theta. Le corps radioactif émet des rayons. Non, mais c'est Gamma. C'est Gamma? Ouais, vas-y, c'est Gamma. Oui. C'est sûr. Rayon Eta, ça te dit rien, putain. J'ai entendu parler. J'ai jamais parlé de ça. Zo, tu me fais confiance? Moi, je te fais confiance. Hein. Ok. Drake? Ou pas? Vous partirez donc sur Gamma? On va bloquer sur Gamma. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est votre dernier mot. Non. Si c'est Gamma, je me prends. Si c'est ça, franchement. Ah non, waouh. La première intuition serait incroyable, mais bon. Bah ouais. Et ben on va le savoir. Déjà, je pense que le 50-50 vous a quand même bien aiguillé. Vous a bien aidé. Et mais l'Oméga, ça aurait été très compliqué, en vrai. Ils auraient resté Oméga Gamma, ça aurait été plus. Ouais. Si c'est la bonne réponse, on arrivera aux portes du palier à 48 000 euros. Je crois que c'est avec ça, parce que je crois qu'il y a Alpha et Beta dedans. Oui, Alpha, Beta, Gamma. En cas de mauvaise réponse, ce sera la chute à 1500, malheureusement. Non, c'est pas la chute, c'est la suite. On va continuer. Bon, j'espère. Eh bien, les corps radioactifs ont la particularité d'émettre donc des rayons qui sont particulièrement, on va dire, destructeurs, en tout cas pour tout être vivant. Et tu verras, ça va être Alpha, Beta et Gamma. Et ces rayons sont appelés les rayons Gamma. Oh yes. Putain, mais non, sérieusement. Ton intuition de départ était la bonne. Oui, bah après on est donc qui veut gagner des millions. Il y a bien aussi le concept, c'est bien Alpha, Beta et Gamma. Alpha, Beta, Gamma, bon voilà c'est. Après il y a d'autres, mais on est les plus courants qu'on entend plus souvent, c'est Alpha, Beta et Gamma. Et Eta, c'est quoi? Ouais, Eta, c'est quoi du coup? J'ai pas l'état, j'avoue que j'ai pas l'info à côté, mais je sais qu'Eta, ça n'a rien à voir avec. Et Omega, okay. On est d'accord, c'était nucléaire. L'alimentaire, je pense. Oui. Voilà. Omega, ça peut aussi servir pour. Enfin, le symbole Omega, par exemple, on l'utilise aussi pour mesurer la résistance électrique. La résistance électrique, okay. Oui. L'ôme, en l'occurrence. L'ôme. Oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça que l'oméga, pour moi, c'était... Je sais pas. Je savais pas. Donc, c'était bien les rayons gamma. Ok. Eh bien, ça vous fait désormais 24 000 litres. Allez, on a 24 000 litres. Encore un effort. En plus, on va dire qu'on a quand même super bien utilisé le joker. Oui, bah, je pense que là, c'était bien utilisé. Et bon, tant mieux pour vous. Le tétan m'aurait coincé aussi. Ouais. Il vous reste encore la seconde chance et le switch pour la suite de la partie. Yes. Et si vous répondez correctement à la question suivante, vous serez garanti de repartir avec au moins 48 000 euros. Ok. Hop. Eh bien, je vous propose qu'on continue. Yes. Voici donc la 10e question pour 48 000 euros. Allez. En quelle année le tunnel sous la Manche a-t-il été inauguré? Oh, c'est meilleur. En 1990. En 1992, c'est la mort, en 1994, tiens. Ou en 1997. La Manche. Ouais. Moi, j'aurais une idée. En quelle année le tunnel sous la Manche a-t-il été inauguré? A-t-il été ouvert?
Total. Attends, inaugurer, c'est bien quand tu passes tout et puis quand tu peux passer. Inaugurer, bah, c'est. Quand ouais, inaugurer, c'est à dire qu'il est terminé, qu'il maintenant il est ouvert. Parce voilà, que moi, je sais que déjà, il a amené quand ils ont commencé à construire, c'est ça en fait. Non, quand il était terminé, terminé. Là, on cherche évidemment l'année où ça a été ouvert. Ouais. Voilà. Mais okay. Par contre, c'est un peu délimité, ça, si tu veux. Là, au début de la construction, c'était en 1988. 88, donc pour le début de la construction. Ouais. Après, ça, c'est sûr à 100%. Après, vraiment, faut le temps de le faire. Il faut vraiment le temps de le faire. Et ça a dû prendre longtemps, parce que on parle quand même d'un tunnel qui passe sous la, qui parle quand même, qui parle sous l'océan, quoi. Qui fait, je sais pas combien, il y a 200-300 km de tunnel. Au cumulé entre les tunnels routiers, les tunnels de maintenance, doit y avoir. Je mets un flash, et je crois que c'est en 1994. Il y a eu un flash comme Madame Irma. Le 6 mai 1994. Et je crois même dans mes souvenirs, si je me rappelle bien de l'école et tout, je crois qu'il y avait même la reine d'Angleterre avec le président de la République qui était à cette journée quand on a inauguré. Mais je partirai quand même en 94 et c'est le 6 mai 94. Parce que c'est une date, c'est la date du commencement et je vois très bien la date là en 94. Moi, je suis partant pour 94, mais est-ce qu'on veut, il me suit ou pas? C'est comme vous voulez, hein. Soit vous y allez. Après, bah donc, comme tu dis, ça avait commencé en 88. Ouais, 1988. Et moi, j'ai une date, c'est 94, et je vois très bien, quand j'étais à l'école sur l'histoire et tout, qu'il disait qu'il y avait la reine d'Angleterre avec le président de la République, qui était pour. Inaugurer officiellement le tunnel sur la Manche, quoi. De toute façon, après, moi je pars du principe que de toute manière, faire un tunnel c'est extrêmement long à faire, enfin, sur l'océan. Donc, ça peut pas être la réponse A, c'est vraiment trop court, 2 ans. L'autre, je crois, c'est 96, c'est ça? 97 Après, c'est 92, 94 et 97. 97, c'est beaucoup trop long. Ouais. Moi, j'en ai pas idée au 94, et c'est bizarre quand même que j'ai une date qui est revenue comme ça, c'est pas réfléchissant. Effectivement, je pense que vu la durée que ça a dû prendre, puis le savoir-faire qu'on avait un peu à l'époque aussi, aujourd'hui, je pense qu'on mettrait un peu plus vite pour le faire. Maintenant, pour l'époque, peut-être un peu plus long. Donc, effectivement, le 94 me paraît cohérent. Ouais. Mais déjà, c'est bien que tu as eu l'année déjà quand ça a commencé. Ouais. Ça va être pas mal quand même. Donc, ouais. Et moi, je vous dis, t'es venu à réfléchissant dans mes souvenirs. Franchement, je vois 94 vous signer avec la reine et puis le président de la République. Moi, je suis d'accord. Si t'es sûr de toi, alors. Je suis sûr. 94, ouais. Sans joker, et puis après, on a encore quelques jokers pour les 5 dernières questions, admettons, et puis voilà quoi. Bah, je prends ma responsabilité, l'autre, si tu veux. Oui, là, tu la prends. Si t'es sûr de toi, vas-y. En 94, c'est notre dernier mot. Voilà, bam, allons-y, tac. Dernier mot direct. Pour le 48. Ça me semble bien. Allez, c'est sûr de lui. Allons de l'avant, le point de non-retour est franchi, on va voir si effectivement c'est bien cela. L'enjeu est crucial, si c'est la bonne réponse, c'est au moins 48 000 euros pour vous. Sinon, c'est 22 500 euros de perdu et une chute à 1500 qui vous attend. Je suis plus confiant à ces questions-là que l'autre question avant. Hein. Le tunnel sous la Manche. À son ouverture, il avait été inauguré en présence notamment de la reine Elisabeth. Bien. C'est ça, 94, c'est le ciné. Et du président de la République de l'époque, à savoir François Mitterrand. Qui repose un peu aussi. Les travaux de ce tunnel ayant débuté en 88, suivi après de 6 années de travaux, il a effectivement ouvert en 1994. Yes. Bravo. Bien. Quelle culture. Oh la vache. Ah, t'as une culture là.
Charles. Oh putain. Ouais, bah merci. Merci. De toute façon, j'aurais dû forcément dire en dessous 97, parce que 97, je m'en serais souvenu si j'étais gamin, après. Bah ouais. Bah de toute façon, c'était mort, parce que après c'était Chirac qui était président, et c'était Mitterrand qui l'avait inauguré. Bien joué, voilà qui vous fait 48 000 euros minimum. Et un petit bon pour dire Yahoo, voilà. Ouais, ça méritait. Eh bien, bravo, messieurs. Ça, c'est un bon parcours, quand même. Vous ouais, faites bien. 48, il y a encore deux jokers. Il vous reste encore le, voilà, la seconde chance, le Switch, voilà, qui vous permettra, je pense, d'aller même encore plus loin. Oui. Évidemment, on attaque à partir de maintenant le dernier tiers. Les cinq dernières questions vers le million. Vous avez encore des options de votre côté pour pouvoir aller plus haut. En tout cas, yes. J'espère que vous réussirez à aller pourquoi pas jusqu'au bout. Eh bien, il est temps de voir ce qui va se passer avec la question suivante. La 11e question sur 15 que je vais vous poser maintenant vaut 72 000 euros. Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau de l'Union européenne ? Oh, je l'ai. 9, je l'ai. 12, 15 ou 21 ? Vas-y, toi, joue, même si vous connaissez la réponse. Je l'ai, pour moi, ça me paraît un donné indispensable de la prendre par cœur à un donné. Il y en a en tout 12 étoiles, à 100%. 12 étoiles selon vous ? Il y en a 12, moi, il y en a 12. Il y en a 12. T'es sûr à 100%? Oui, il y a 12 étoiles. Oui, et je l'ai vu passer plein de fois ce genre de questions. Maintenant, je me disais, je vais la prendre par cœur, celle-là, à un moment donné. Il y a 12 étoiles. Est-ce que tu suis, Lit? Est-ce que tu me suis, Lit? Ouais, bah, je vais vous faire confiance à mon fameux Joe, hein, vas-y. C'est pas le Joker, donc on y va directement, c'est, ouais. C'est que sûr à 100%, Joe, vas-y. 12. C'est notre dernier mot. Ah. Un bloc. Bon bloc, 12 étoiles. Fort bien, fort bien. Est-ce que le drapeau de l'Union européenne comporte 9, 12, 15 ou 21 étoiles ? Déjà, bien sûr, le nombre d'étoiles ne correspond absolument pas au nombre d'États faisant partie de l'Union européenne. Non, non, non. Ça paraît logique. Sur le drapeau donc de l'UE, on y trouve un total de 12 étoiles. Merci Dit. 72 000 euros. Les 12 étoiles représentent. 12 étoiles en effet qui représentent, qui représentent, on va dire sur le drapeau, un peu l'unité entre les différentes nations de l'UE. Pour la, en tout cas la forme de cercle, parce qu'évidemment les étoiles sont disposées en cercle. Et le chiffre 12 correspond, on va dire, à la perfection, la plénitude entre les différentes nations de l'UE. Sinon, c'est l'intervention d'État sur le 27. Voilà. C'est différent du drapeau des États-Unis avec les 50 étoiles. Il fallait pas tomber dans le piège. Il y a des pays, donc il faut compter le nombre de pays. C'est pas comme pour le drapeau des États-Unis où il y a autant d'étoiles que d'États américains. Ouais. Ça, c'est ça. Donc, tu confies une séquence sur le jeu. Bien, et bien écoutez, bravo, ça vous fait 72 000 euros. Yes. C'est un très beau parcours, en tout cas, que vous réalisez. Mm-hmm. Toujours belle pas père. D'autres jokers. Bah ouais, sacré duo, franchement, c'est quand même pas rien ce que vous faites. D'autant plus que vous n'avez toujours pas utilisé d'autres jokers à part le 50-50. Et ça montre que ma participation d'avant, j'ai vraiment une question de vraiment de chiasse. Hein. Je veux dire, franchement. T'es vraiment tombé sur une question pute. De la CDI. Et franchement, tout le monde serait vraiment planté. C'est vraiment de la CDI et des voyelles. Ouais, ben, c'était. Voilà. C'était un accident, mais bon. Alors, les questions françaises, c'est une horreur. Malheureusement, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est sûr. Mais au contraire, là, tout se passe bien. Allez. Il vous reste encore 4 questions. 4. 2 jokers pour pouvoir tenter d'aller plus haut encore. On passe à la question numéro 12 sur 15. Celle-ci vaut 100 000 euros. Lequel de ces pays ne se trouve pas en Afrique ? Le Bhoutan, la Sierra Leone, l'Érythrée, le Lesotho. Déjà, j'ai une réponse qu'on peut éliminer. Ouais.
Déjà, le Lesotho, on peut le foutre à la poubelle. Le Lesotho, c'est situé au milieu de l'Afrique du Sud. Ok. Déjà, sur un certain, on peut l'enlever. Trois pays, placés en Afrique. L'un, un ne l'est pas. Déjà, la D, paille. Vous éliminez déjà la D, ouais, ok. Ouais, déjà la D, ennemi. Après, le Bhoutan, j'en sais rien du tout. Ça me dit quelque chose, bien sûr. Le Bhoutan, situerait en Afrique, le Bhoutan, je dirais que ça se situe au niveau de la Syrie, pas très loin, mais... Moi, je crois que c'est ça, le piège. On sent que le Bhoutan... Le Bhoutan, je vois le drapeau noir, rouge et blanc. Ah ouais ça, je le vois rouge, ouais, noir, rouge et blanc comme l'Égypte. Bah non, tu sais quoi, moi je pense pas comme toi, moi. Je pense que le Bhoutan, c'est vers le coin de Mongolie et tout, en Asie du Sud. Le Bhoutan, putain. Le Sierra Leone, putain. Moi, je pense que c'est vers l'Himalaya, les trucs comme ça, le Bhoutan. Donc, le Bhoutan, pour toi, ce serait pas en Afrique ? Non, pour moi, c'est en Asie. En Asie, donc ? Ouais. Et Sierra Leone, Érythrée ? Sierra Leone, je dirais Afrique, parce que ça me dit quelque chose, ça, Sierra Leone. L'Érythrée, par contre, me dit absolument rien. Bah moi, par contre, je suis à 100% sûr que le Bhoutan, c'est dans le cas des Mongols en Asie. C'est sûr. Moi, je sais que le Bhoutan, soit l'Afrique ou l'Asie, hein, c'est l'un des deux. Hein. Mais c'est sûr que c'est en Asie. Et moi, je te dis, c'est dans le cas de l'Himalaya, des trucs comme ça. C'est sûr. J'ai sûr à 100%. 100%, je suis sûr. Ah oui, je me suis dit, mais l'Himalaya, il me suit tout. Ah oui, d'accord. Ah, tu situerais en gros. Ouais, c'est dans le point de l'Himalaya et tout, quoi. Moi qui ai joué un petit peu à jouer au guesseur. effectivement, non, peut-être que le Bhoutan, ça situerait, ouais, par là. Ouais. Ah, mais en vrai, non, mais. Moi, je dirais le Bhoutan, effectivement, ouais. T'es d'accord avec moi? Ok. Si t'es sûr de toi, t'es sûr à 100%? Ah, je suis sûr à 100%, mais on a 200%. Soyez-en sûr, parce qu'on est à un stade important du jeu. Toi, que t'as été millionnaire deux fois. Bah, oui. Ce serait dommage d'évidemment de faire un faux pas à ce stade. Moi, je pense que je peux rejoindre l'avis de Litz. Et puis, effectivement, un mini flash. Effectivement, tout le temps, ça se situerait en Asie, et je pense du côté de Bangladesh. Est-ce que. Le Bhoutan, c'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. Oui. Allez, on y va. Je me sens que c'est ça, c'est en Asie. Et tu verras, ça va être... c'était vers l'Himalaya, c'est sûr, à 100%. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que du côté de Bangladesh et là, plus loin, t'as l'Inde, tout ça. Bah oui, c'est ça, c'est Bhoutan. Bhoutan, Sierra Leone, Érythrée et Lesotho, trois pays sont situés en Afrique, parmi les quatre. Les autos sûrs et certains. Bah oui, c'est sûr à 100%, c'est ça. Parmi ces quatre pays, celui qu'on le recherche est un pays qui se situe en Asie. Mmh. Oh, bah, c'est ça. C'est ça. Ce n'est pas les autos. Oh, ça lui va nous faire une vente à foutre, elle nous va dans son temps. Ce n'est pas la Sierra Leone non plus. Oui, mais c'est bon. Sierra Leone, c'est en Afrique, oui. Et l'autre, je sais pas du tout en fait où ce qui est situé. Situé près de la région montagneuse du Tibet, il s'agit du Bhoutan. Ouais, c'est ça, c'est bon. Trop fort, 100 000 euros, quelle culture incroyable nous avons. Ouais, échec ma gueule, échec. Ouais. Et voilà, 100 patates, 100 000 euros pour vous, bien joué. Ouais. Alors, les autres pays, où est-ce qu'ils sont situés? Alors, j'ai pas la carte de l'Afrique sous la main. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, les trois autres sont bien situés en Afrique. Alors, je crois que les autres, t'avais dit que ça se situe en Afrique du Sud. Effectivement, c'est le cas. C'est tout petit. C'est vraiment tout petit. C'est un État qui est, on va dire, vraiment, mais compris dans l'Afrique du Sud. Ah ouais, l'Afrique du Sud est dedans et autour du pays. C'est vrai, ça encercle le pays. L'Érythrée est un pays d'Afrique de l'Est. Afrique de l'Est, ok. D'accord. Et Sierra Leone. Et Sierra Leone se situe à l'ouest. Ok. Et c'est un pays côtier qui borde l'océan Atlantique. Bien. Eh bien, bien joué.
100 000 euros. Bravo. C'est bien. Allez, ouais. Continuons. Je vous sens chaud, effectivement, pour continuer. Ouais. Toujours vos deux jokers, en plus. Donc, bon, voilà, je pense que ça part très, très bien. 100 000 euros, peut-être 150 000 avec la question suivante qui arrive. Quelle richesse. C'est parti pour la question numéro 13. Dans l'atelier d'un sculpteur, qu'est-ce qu'un rifloir ? S'agit-il d'un marteau ? D'une truelle ? D'une brosse ? D'une lime ? Là, je suis pas là. Là, je ne suis pas là. Passe-moi le bouquin, si c'était. Vas-y, mais là, franchement, je ne suis vraiment pas là, je ne peux pas aider. Là, c'est peut-être un peu moins dans vos corps cette fois-ci. J'ai vraiment entendu. Alors, qu'est-ce qu'un rifloir ? Rifloir. Quel enfer. Attends, c'est un marteau, un truet, une brosse et une... Je joue pour 150 000 euros. Je pense à penser quoi ? Je pense que c'est la réponse D, une lime. Une quoi ? Et qu'est-ce qui te fait ? Une lime ? Et qu'est-ce qui te fait dire que ce serait une lime ? Ce serait une lime. Dans un jeu que j'ai joué un petit peu intimement, où tu devais. Tu avais un sort d'atelier avec un instructeur et on devait trouver la ressource qui pouvait un rifloir. Et un rifloir, et c'était une lime que j'avais retrouvé. Rifle, après, moi, c'est le terme rifle. Le latin riflus. Moi, franchement, je suis à 100% sûr de mon choix. C'est, pour moi, c'est une lime. Ce serait plus la réponse D, ouais, une lime pour toi, ouais. Écoute, vas-y, hein, allons-y. Hein. Après, je vous rappelle que vous êtes à un stade crucial, important. Vous avez évidemment toujours vos deux jokers qui peuvent éventuellement... Encore deux jokers, après... Voilà, ça peut toujours être utile, parce qu'évidemment, répondre, c'est un choix, c'est aussi risqué. Donc y aller, franchement, oui, après c'est bien d'y aller, après, moi franchement, je ne suis pas là, je ne sais pas du tout. Prenez le temps de la réflexion. Non, pour moi c'est une lime. Je ne vois pas d'autre chose. Moi, j'en sais rien. Moi, je peux te dire franchement, j'en sais rien. Je peux pas t'aider, après, si t'es sûr de toi. Pour moi, c'est une lime. Soit vous mettez d'accord sur lime, soit vous mettez d'accord sur autre chose. Pour moi, la lime, qui s'appelle le rifloir, c'est pour faire les contours des structures. Ça veut dire, eux, ils sont déjà une forme normale, mais c'est pour bien former, par exemple, les yeux, des trucs comme ça. Et pour moi, ça va avec un rifloir et c'est une lime. C'est un marteau, en sport, ça s'appelle un rifloir quand même. Une truelle. Ça m'étonnerait, une brosse. Ça m'étonnerait aussi. Pour moi, c'est une lime. Je vois très bien, c'est ça en fait. On peut voir la question ? Je regarde. Oui, Chris. Ouais, je veux bien. Pour moi, c'est une lime. Merci, il est pas terre. Grimpe. Putain, j'arrive plus à grimper, quel teubé. C'est la fatigue. Prenez donc encore une fois, prenez le temps d'y réfléchir encore. Ah déjà, rifloir, moi, la première idée que j'avais, ça serait de faire des mouvements de va-et-vient. Donc, soit une brosse ou une lime. Puis après, voilà, c'est tout. Hein. C'est, après, je les connais que dalle. Hein. On a non, mais moi, je suis sûr à 100%, c'est un lime. Pour moi, c'est une lime. Coup, soit vous mettez d'accord et vous répondez une lime, au risque évidemment, avec les risques habituels de répondre. Du coup, c'est pas ma responsabilité, Joe. Vas-y. Tu me suis Vas-y, si t'es sûr de toi. Ouais. Mais c'était quoi comme jeu que tu jouais par rapport à ça ? C'est c'est un vieux jeu, c'est pas un je sais pas trop quoi, c'est un vieux jeu sur PC. Et c'est un très vieux jeu. C'est un jeu où tu fais genre de l'archéologie ou en tout cas. En gros, c'est un peu de. Comment je peux dire ça ? En gros, tu construisais en gros des sortes de pharaons, des trucs comme ça, en cherchant des étiquettes, des outils, des trucs comme ça. Et c'est un peu d'exploration en gros, hein, vite fait. Hein.
Mais c'est un très très vieux jeu, mais je crois que le nom du jeu, c'est... Pour me rappeler, je me rappelle quasiment plus. C'est-à-dire à l'époque que j'avais 7-8 ans que j'avais joué, quoi. Alors ça, c'est un des premiers jeux sur PC, avec des ouais, de Arizona, quoi. Fort bien, bah si Rim est la réponse que vous voulez donner, bah, fort bien. C'est votre vas-y, dernier mot. C'est votre vas-y. Dernier mot. Allez, vas-y, go. Vas-y, vas-y. Bon, dans ce cas-là, on y va. On joue pour 150 000 euros. J'ai besoin de 150 000 euros en ce moment. Elle m'a acheté une baraque et tout. Bien. Eh bien, est-ce que vous allez passer à la marche suivante? On va le savoir. Si, moi je suis sûr à 100%. Est-ce que t'es sûr? Ouais, parce que tes souvenirs peuvent être faussés. Hein. Après, je dis ça, j'ai rien. Non, pour moi c'est sûr, c'est ça. Il serait capable de dire tes souvenirs c'est de la merde, hein. Qu'est-ce que tu dis? On va pas non plus dans l'extrême, on n'est pas comme ça ici. On voit pas autre chose que c'est. Pour moi c'est une ligne, c'est sûr. Parce que même c'est une petite barre. Et t'as des petits pointus autour de la rampe d'art, et c'est ça en fait pour nous. 150 000, soit 48 000. Lorsqu'un sculpteur utilise un rifloir, en d'autres termes, il utilise... une lime. Bravo. Voilà. Bien joué. Et Joe qui se cache la gueule suite à cette bonne réponse. Et même ça existe en plusieurs de matériaux. Ça peut, il peut avoir des limes en pierre, il peut avoir en métal, en marbre, en bois. Et les structures, ils utilisent un peu plus avec le métal, quoi. Voilà. Mais effectivement, très bien, une lime, c'était, c'est effectivement un rifloir. Et inversement, un rifloir est une lime, bref. Voilà. Et cette bonne réponse vous rapporte désormais 150 000 euros. Ouais, nous sommes plus qu'à deux marches. Nous sommes plus qu'à deux marches du million. Yes. La troisième victoire pour Lit et peut-être la première pour Joe. Et peut-être dans la poche. En plus, vous avez toujours la seconde chance et le switch. Faudra une grande poche. Ouais. Pour mettre un million dedans, c'est sûr. Ouais, bah oui. Eh bien, il est temps de passer à l'avant-dernière question. Yes, go. Le dernier obstacle avant l'ultime question à un million. Cette question numéro 14 vaut 300 000 euros. Lequel de ces films Charlie Chaplin a-t-il réalisé en premier? Une idée, moi. Le dictateur, le kid, les temps modernes, la ruée vers l'or. Petit Arlit, je crois savoir la réponse. Le premier film, c'est le premier film réalisé. Quel film Charlie Chaplin a-t-il réalisé en premier? Moi j'ai une idée, je crois savoir. Entre le dictateur, le kid, les temps modernes, la ruée vers l'or. Moi, Arlit, il me semble qu'il s'agit du film Le Kid. Le film, d'ailleurs, je l'avais vu en cours d'anglais il y a tellement d'années. Et c'est un des premiers films de Charlie Chaplin. C'est un film muet. Et les seuls acteurs, on va dire, bah, c'est des figurants, Charlie Chaplin, et puis un enfant qui va garder pendant quasiment une heure. Le film dure une heure. Et il va garder l'enfant jusqu'à ce qu'il retrouve sa famille, tout ça. Et c'est l'histoire, c'est l'histoire du film Le Kid. Après, c'est un très vieux film, c'est un film muet, donc c'est un des premiers. Étant moderne, c'est vachement après. Le dictateur, pareil, c'est deux films parlants, donc il n'y a pas de muet. La rue vers l'or, par contre, je n'ai aucune idée. Mais il me semble que Le Kid, c'est un des premiers films de Charlie Chaplin, et il me semble que c'est ça. Wow. Est-ce que Le Dictateur, Le Kid, Les Temps Modernes ou La Rue vers l'or, parmi les quatre, lequel a été réalisé en premier par Charlie Chaplin? Les Temps Modernes, c'est un film muet, mais c'est bien après Le Kid. Bien après, ça, je sais. Le Dictateur, c'est un film parlant par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Il incarne le dictateur, le fameux qu'on connaît tous. Et La Rue vers l'or, je sais pas. Après. Pour sécuriser, on peut utiliser un joker, mais on sent que c'est Le Kid. Et sûr. Oui. Mais j'ai envie de sécuriser presque sur un joker.
Le rêve vers l'or, je ne sais pas, par contre. Parce que, attends, ça a été dans les années combien, du coup, Charlie Chaplin, c'est gagné. Chaplin, alors le kid, 1910, quelque chose. 1910, le kid. C'est un film muet en noir et blanc. Ok. Parce que c'est vous avez pensé plus un film de western. Le rêve vers l'or, par contre, j'en ai absolument aucune idée. Bah, il a dû jouer dedans, bien sûr, hein. Sinon il serait pas dans les propositions. Mais je ne sais pas, le rêve vers l'or, par contre. Mais les deux autres, je sais qu'ils sont beaucoup plus récents. C'est quoi, j'ai envie de te suivre, j'ai envie de donner. Si on garde les deux dernières jokers pour la fin, ça serait énorme. Après, pour sécuriser, on peut au moins utiliser un joker, puis on garde l'autre pour le dernier. Ah, mais tu as dit lequel ? C'est-à-dire que moi, j'aurais utilisé le seconde chance là pour celui-là. Ouais, mais si tu dis la bonne réponse, ça veut dire qu'on aurait utilisé un joker pour rien. Ah oui, mais au moins il sera utile là-dessus. Au moins on serait sûr de notre coup. Si je me plante, on aura la seconde réponse derrière. Dans tous les cas, il vaut mieux être d'accord. Là, on est à une marche de la question à 1 million. C'est extrêmement important. Vous avez la chance d'avoir encore deux jokers à votre disposition. À ce stade du jeu, c'est quand même énorme. Les jokers sont faits voilà, pour être utilisés, ça peut vous sauver. Bah, c'est quoi, vas-y, on utilise un joker en double chance, c'est ouais, ça double chance, ouais. On va l'utiliser. Vous partirez donc sur une seconde chance. Ouais. Sûr et certain. Oui. C'est pour m'assurer vraiment, après, voilà. Ça aurait fait alors, j'ai un doute là-dessus, mais le kid, il me semble que ça doit être ça, mais je ne sais pas. Assurons, comme ça, on a la question à 1 million, puis voilà. Yes. Eh bien, on passe à la seconde chance. Donc, avec ce joker, je rappelle d'abord le principe, n'allons pas trop vite. Avec ce joker, vous allez donc pouvoir me proposer deux réponses. Si la première, bien sûr, est fausse, la partie continue, vous pourrez dans ce cas-là m'en proposer une seconde. Mm-hmm. Évidemment, si la première est bonne, eh ben, tant mieux pour vous et on passera à la question au million d'euros. Mm-hmm. Entre le dictateur, le kid, les temps modernes ou la ruée vers l'or, qu'est-ce que vous me proposez en premier ? Le kid. Réponse B. Le kid. C'est votre dernier mot ? Ouais. Dernier mot. Si c'est correct, on passera à la dernière question du jeu. Sinon, vous aurez bien sûr l'occasion de me donner une deuxième et dernière réponse. Vous me dites donc le kid ? Mmh. C'est son tout premier film, je crois. Son premier long métrage. On cherchait donc ici quel film parmi les quatre avait été réalisé en premier par Charlie Chaplin. D'ailleurs, vu que j'ai adoré, au passage. Parmi les quatre, le plus vieux est Le Dictateur, sorti en 1940. Mmh. Vient ensuite, sorti en 1936, Les Temps Modernes. Ils sont beaucoup plus récents, ceux-là. Les deux qui restent, l'un est sorti en 1921, l'autre en 1925. Bah, c'est le kid, 21. Le kid est la bonne réponse. Bien joué, trop fort. Trop fort. Ouais. Ah bah heureusement que j'ai vu le film. Franchement, chapeau. Heureusement que j'ai vu le film, en vrai, hein, putain. Parce que c'était vraiment pas simple. Ouais. 1921 pour le kid, 1925 pour la ruée vers l'or. En fait, moi, j'avais déjà une tombée sur une question sur Charlie Chaplin dans une participation de Tu veux gagner des millions, je crois. J'en ai plus le souvenir, très honnêtement. Il faudrait regarder cette partie, mais j'en ai plus le souvenir. Eh bien, la seconde chance, bon, certes, votre première réponse était la bonne. Bon, au moins, vous étiez. C'était parce que. Au moins, Voilà. Bon, faut pas non plus voir ça comme un joker gâché. Au contraire, au moins, vous êtes sécurisé. Après, et vous êtes désormais à la dernière étape du jeu. On a bien fait parce que la rue vers l'or, c'était quand même 1925. Hein. Ouais. C'est un bon 4 ans, quoi. Ça jouait. Ça se jouait à 4 ans d'écart. Donc, effectivement, voilà, les deux étaient possibles. C'est ça. Le Switch, c'est le seul et unique joker qui vous reste encore pour la question à 1 million. Ça peut éventuellement servir. Il serait utilisable, parce qu'on sait pas quoi s'attendre là. Ouais. Si la première question vous convient pas. Mm-hmm. Peut-être une troisième
Victoire pour Lit si vous répondez correctement à cette question. La première pour Joe. Yes. Il est l'heure de passer donc à la 15e et dernière question. Mm-hmm. Qui vaut donc 1 million d'euros. Le million. Voici la question. Quel ingrédient n'entre pas dans la composition du Gloubi Boulga de Casimir ? Putain de sa mère, jamais je saurais celle-là, jamais. La banane, la moutarde, le camembert, la saucisse. Allez, Edith. N'entre pas. Si Lid, tu penses le savoir, c'est le moment. Ouais. Déjà, le camembert, il y est, sûr et certain. Parmi ces quatre ingrédients, lequel n'entre pas dans la composition du Gloubi Boulga ? La saucisse, il me semble que oui. Vas-y, Lid, à quoi tu pensais, toi ? Franchement, quasiment, il y a un truc que je regarde, oui. Mais maintenant, tout le temps, parce que je kiffe Casimir et tout. Le camembert, il y est. Oui, c'est le camembert, c'est sûr à 100% lié. Oh, oui, il y est. Attention, nous jouons pour 1 million d'euros. La saucisse, elle y est également. S'il y a bien un moment dans le jeu où là, il faut vraiment pas faire de bêtises, c'est maintenant. Il n'y a pas de moutarde dedans. Non. La moutarde, il est sûr à 100%, c'est la moutarde très forte. La plaine, c'est sûr. Pour moi, c'est le. Maintenant, c'est le camembert. Ça se jouerait entre le camembert et la saucisse plutôt ? Le camembert, il met. Non, la saucisse, elle est sûr à 100% qu'elle est. Ah bah, va falloir vous mettre d'accord. La banane, c'est sûr qu'il y est. Sûr à 100%, la banane est. La moutarde, elle est. La saucisse, pour moi, c'est la saucisse. C'est ça. Pour moi, c'est le camembert. Parce que la saucisse, c'est même une saucisse de Strasbourg qui est dans la série. C'est sûr. Réfléchis. Est-ce que je peux tenter de réfléchir ? Non. Moi, c'est sûr, c'est ça. C'est le camembert. Je réfléchis. Deux minutes. Ah bah si vous que vous preniez le temps de réfléchir, faites-le parce que là. C'est une question à un million quand même. C'est extrêmement risqué de répondre comme ça. Voilà, évidemment, parce que en plus il vous reste que le switch qui vous permet que de changer de question. Donc forcément, ça vous aidera pas beaucoup en soi pour répondre à la question. En cas de mauvaise réponse, c'est une chute à 252 000 euros. Oui, mais c'est sûr, c'est camembert. Ce serait catastrophique. Parce qu'il me voit, il prend un gros saladier, il met déjà de la confiture de fraises, après il met du chocolat, râpé, il met les bananes écrasées, il met la moutarde, et après il met la saucisse de Strasbourg. Il met aucun camembert, il ne met jamais. Et là, c'est le camembert. Et je fixe à 100%. 100% de camembert. Soit, mais. C'est pas la saucisse de Strasbourg, c'est la saucisse de Toulouse. Non, c'est Strasbourg. C'est. Dans tous les cas, on cherche pas le type de saucisse. Soit il y a de la saucisse, soit il n'y a pas de saucisse. Il y a de la saucisse, mais je pense que c'est pas la saucisse de Strasbourg. Bonsoir, je dis qu'il n'y a pas le camembert. Je dis juste maintenant, faites le bon choix, c'est. C'est extrêmement risqué de répondre. La banane, oui. Hein. Oui. J'ai montré plusieurs fois quand on faisait des conférences, ça a fonctionné. Pour moi, c'est camembert. Je suis sûr à 100% de mon choix. T'as regardé ensuite, les enfants ? Oui, j'ai regardé les enfants. Je l'ai même en cassette. Bah écoute, si tu l'as en cassette, en VHS. Pour moi, c'est sûr à 100% qu'il n'y a pas de camembert. Dans ce cas-là, c'est dans quoi que j'ai entendu qu'il y avait du camembert ? Ah non, il n'y a pas de camembert. Prenez le temps de réfléchir quand même. S'il a envie d'en rajouter du camembert, il a envie. Ce serait dommage de passer éventuellement 300 000 à 48 000. Après, ça pour moi, c'est une question que je pense qu'on peut répondre sans le switch, bien sûr. Pour moi, s'il n'y a pas de camembert, j'ai fait ça à 100%. Je retourne sur le monde, j'aurais dit la phrase pour le camembert. Mais là, on a deux. Effectivement, moi, là où je suis sûr, effectivement, plus la certitude, oui. La banane, sûr et certain, la saucisse également.
Effectivement, la moutarde me fait tilter, mais il me semble qu'il dit moutarde. Que je mette à la moutarde. Et que le camembert, bah dans ce cas, ça serait une légende urbaine que j'ai entendu la camembert. Ah, il n'y a pas de camembert. J'en suis sûr à 100%, même à 200%, 300%. C'est le camembert qui ne monte pas dans la recette. C'est le camembert. Bah, allons-y, dans ce cas-là. Greg. C'est extrêmement risqué, hein, ce que vous faites, hein, je le rappelle. Non, non, mais si vous êtes d'accord sur une réponse. Je suis à 300%, donc je vais pas le contredire. Si vous êtes d'accord, on y va. Oui, oui, oui. Ben, je dis maintenant, vous connaissez les risques. Il n'y a pas de camembert et je bloque et je prends la responsabilité. Je bloque le camembert. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est votre dernier mot, Dak. Eh bien, soit ce sera une troisième victoire pour Lit, d'une première pour Joe, et on sera tous heureux. Camembert, c'est sûr. Le risque, vous avez pris un gros risque en répondant à cette question, on va voir maintenant si ça paye. Et si c'est la moutarde de Dijon? Il met de la moutarde de Dijon, bien sûr. Le switch n'aura donc pas été utilisé. Vous aurez donc bien sûr répondu directement à cette question. Mais oui, mais c'est ça. Il met de la saucisse de Toulouse, il met du moutarde de Dijon et puis il met des bananes dedans. Après, il se faisait un râpé, il met la confiture de fraises. Plus dur, oui. C'est ça. Il n'y a pas de camembert. Il n'y a pas de camembert, c'est sûr. Qui c'est qui a dit du camembert? Mais c'était une légende urbaine dans ce cas-là. Putain. Le Gloubi Boulga de Casimir. Oui. Comporte 5 ingrédients en tout. Oui, le chocolat râpé, la confiture de fraises, la banane râpée, la saucisse de Toulouse, mais il n'y a pas de camembert. Et dans cette recette, on y trouve du chocolat, de la confiture de fraises, d'où la moutarde, de la banane, mais... Est-ce qu'il y a de la saucisse ou du camembert? C'est ça le souci. La saucisse, elle est dedans. Parce que ça se trouve, t'as confondu, hein, Lit. Non. Fais pas de faire un pas sentir tout le monde. Écoutez, j'en suis navré. Non, c'est pas vrai. Arrête de voir, je connais que mon ordinateur, c'est pas ça, c'est le camembert qui a pas de. Mais vous avez gagné. Voilà. Tout simplement. Et voilà. Yes. Il n'y avait pas de camembert dans le Gloubi Boulga, effectivement. C'est une légende, oui. Bon, moi j'ai envie de dire, on en a un stade où ça m'a... Enfin, je suis même plus impressionné, hein. à partir de... Voilà, Lit, voilà. On dit que je me fais victimiser, hein, tout va bien. Mais bon, là on parle quand même d'une troisième victoire à qui veut gagner des millions. C'est quand même pas rien. Et en plus, trois victoires consécutives. En plus. Bravo, bah oui. Incroyable, bien quand joué. Même. Ah oui. Voilà, Joe, je t'ai fait gagner 1 million. Je t'ai fait quand même amener le million avec mon casseau à 300 000. Hein, t'es quand même un peu aidé. Eh bien, ce duo aurait été un duo de choc, littéralement. Mais sans déconner, vous avez fait un parcours exceptionnel. C'est totalement mérité, j'ai envie de dire, franchement, ce million d'euros. Bravo à vous, franchement. Et j'aurais bien voulu savoir c'est quoi la deuxième question du bon. Si vous, je vais pas la poser parce que ça pourrait éventuellement servir pour. En tout cas, en vidéo là, en direct évidemment. Mais évidemment, ça pourra servir pour le prochain candidat éventuellement. Mais en tout cas, dans tous les cas, vous avez réalisé un sans faute. Hein, voilà que vous gagnez 1 million d'euros. Voilà, bravo. Yes. J'ai jamais vu. On a pas de feu d'artifice. Eh non, pas de budget pour les feux d'artifice ici. Mais je cherche les feux d'artifice, je trouve pas. Ah si. Comme le dirait Macron, l'abondance est finie. Donc j'en suis navré. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez gagné. Et franchement, bravo à vous. Franchement, merci. C'est mérité. Merci. C'est mérité. Une petite réaction finale à dire? Un mot à dire après cette victoire? On est intelligent. Mais moi, franchement, je suis content d'avoir gagné une troisième fois. Qui veut gagner l'union, hein. C'est vraiment cool. Voilà, c'est tellement banal maintenant. Oh, je suis content. Non, c'est vrai que
C'est vrai que là, j'avais quand même deux questions quand même que j'ai pas pu répondre. Parce que heureusement qu'il y avait Joe, parce que sinon j'aurais utilisé déjà mes points Il y joueurs, a quoi, eu, déjà, oui, voilà, ils seraient tandis que déjà le PS, partis. tandis que l'autre il pète tout, tout va bien. Voilà. Mais effectivement, il y a eu quelques questions où l'un de vous deux, voilà, n'était pas, on va dire, d'accord, mais. Du coup, là, heureusement qu'il y avait Joe quand même avec moi, parce que sinon j'aurais déjà pu le choquer depuis un petit moment. Je pense que le dernier joker qu'on aurait utilisé, c'était pour Charlie Chaplin. Mais sinon, non, franchement, on a fait un bon duo et franchement, c'était vraiment cool. Vraiment cool. Oh oui. Vous avez fait Bah oui, bah effectivement un oui. excellent duo, vous êtes arrivé jusqu'au bout du jeu et voilà, non, mais encore une fois, je le dis, c'est totalement mérité. Franchement, félicitations à vous. C'était une excellente Merci. partie. Et bah voilà, bon, je vous le demande pas, je pense que vous avez pris du plaisir à jouer, Ah évidemment. oui, t'as raison. Bah voilà. Bien sûr. Ça Bien fut sûr. une excellente partie, j'ai pris énormément de plaisir moi aussi de mon côté. Et il va falloir maintenant se dire au revoir, évidemment. Au revoir aux enfants. Au revoir les Et enfants. oui, voilà qui met donc fin à cette émission de Qui veut gagner des millions avec donc cette victoire sous les feux d'artifice de Joe. Voilà, cette victoire pour Joe Elite qui remporte donc 1 million d'euros. À eux deux, ils ont réalisé une partie excellente. Si cette émission vous a plu, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner, ça fait toujours autant plaisir. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir les chaînes de Elite, ça lui fera plaisir aussi. Vous avez le lien de la chaîne Twitch en description. Tandis que l'autre essaye de saboter mon outro, mais tout va bien. Bref, tout sera dans la description. Merci encore d'avoir suivi cette émission. Et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao, Allez, ciao! salut, ciao, bye bye! Soyez intelligents surtout.